En direct des studios de Speech TV, voici l'émission que vous attendez tous, Les Aventures du Paddle, présentée par Lord Paddle. Salut Nostalgeeks, bienvenue sur la troisième vidéo des Aventures du Paddle. Aujourd'hui, je vous propose d'enfiler vos bottes en caoutchouc et votre ciré pour aborder un jeu très automnal, hein, vous voyez le temps qu'il fait, qui a marqué mon enfance de gamer. Eh ouais, la pluie a fait son grand retour sur toute la France, hein, provoquant inondations, montée des eaux et douleurs articulaires. Lord, parapluie ? Non, ça va, ça va, merci, je vais garder mon KW, franchement ça ira. Ah non, garde-le ton truc girly là. Alors en ce qui me concerne, ça m'évoque plutôt les souvenirs d'un jeu de plateforme sorti en 1990 sur micro-ordinateur. Je veux parler de Flood, qui, traduit littéralement, signifie inondation. Ah, ce bon vieux Flood, hein. J'ai passé un nombre d'heures incalculable sur ce jeu quand j'étais gamin, hein. C'est vraiment con qu'il soit tombé dans l'oubli, hein, parce que moi je trouve que c'est vraiment un très bon jeu. Et d'ailleurs, il fut même question d'un Flood 2, mais malheureusement le projet n'a jamais vu le jour. Alors il faut savoir que Flood est sorti sur deux bécanes à l'époque, hein, l'Amiga et l'Atari ST. Mais comme à la maison on avait le ST, bah je vais naturellement vous parler de cette version. Hein. Ouais, désolé les inconditionnels de l'Amiga, hein, vous pouvez passer votre chemin et aller voir là-bas si j'y suis. Mais non, je déconne, reste avec nous, il y en aura pour vous aussi, je vous promets. Alors Flood, pour faire court, hein, c'est un jeu qui a été développé par le défunt studio anglais Bullfrog, studio à l'origine de jeux de stratégie très célèbres comme la série des Populous, Theme Park ou Dungeon Keeper. Le jeu a été édité par Electronic Arts. Mais si, vous connaissez forcément, hein, FIFA, Medal of Honor ou les Sims, eh ben c'est eux. Bon alors visiblement le concepteur du jeu, Sean Cooper, se fout un peu du scénario quand il a programmé Flood. Alors ça tombe bien, ça va me permettre de gagner du temps. Alors Flood, c'est l'histoire d'une petite créature verte amphibienne qui s'appelle Quiffy. Quiffy, il s'appelle Quiffy, il est vraiment petit. C'est une bestiole pas comme les autres, il aime les déchets, c'est pas de sa faute. Alors Quiffy est le dernier être vivant d'une race éteinte, race qui a été exterminée si l'on en croit les cadavres décapités, les squelettes et les restes de bestioles qu'on voit un peu partout dans les décors du jeu. Hein, c'est charmant. Son objectif, quitter le monde souterrain dans lequel il vivait, qui a été envahi par des monstres qui ont tout détruit, et avaler tous les détritus laissés par des humains dans les souterrains afin de remonter à la surface. Et oui, vous avez bien compris, Quiffy est une sorte d'éboueur des cavernes qui va devoir écumer tous les niveaux du jeu pour espérer revoir la lumière du jour, un peu comme Stallone dans le film Daylight. Ouais, je sais, ça n'a aucun rapport, mais je voulais la placer quand même, celle-là. Premier constat, Flood est vraiment bien foutu. Visuellement, c'est assez beau pour un jeu de plateforme sur micro-ordinateur en 1990, sans être exceptionnel pour autant. Dans la version Amiga, on est d'ailleurs accueilli par une intro sympathique avec une bande-son amusante et une image de Quiffy en train d'enfiler ses étranges grosses lunettes, vous savez, qu'il va porter tout le long du jeu. D'ailleurs, cette intro et cette musique disparaîtront dans la version Atari ST, hein, probablement pour des questions de limitation technique. Quiffy, les ennemis sont bien dessinés, ils ont un look un peu cartoonesque, hein. Les décors sont variés, bourrés d'idées originales. En revanche, l'animation très soignée souffre de quelques ralentissements dès qu'il y a quelques sprites à l'écran et surtout lorsque vous balancez plusieurs projectiles simultanément. Mention spéciale aux bruitages qui eux sont carrément géniaux par contre, hein, y a pas de musique hormis le petit jingle quand on atteint la sortie du niveau. Mais par contre, les bruitages sont tous réalisés à partir de sons digitalisés, et sur ce plan-là, c'est la fête. Entre les ouch de Quiffy quand il se fait toucher, les bruits de digestion quand il avale les détritus, les bruits des armes ou le son de l'eau qui monte dans tous les niveaux, c'est le délire total, hein. On sent que les concepteurs du jeu se sont bien amusés, c'est très cool, même si certains sons prennent parfois la tête, hein, au bout de quelques minutes. Hein. Je pense notamment aux sons ultra répétitifs des lasers blancs ou des missiles. Hein. Flood est constitué de 42 niveaux avec une difficulté bien dosée et progressive. Objectif principal, avaler tous les détritus qui traînent dans chaque niveau et qui prennent apparence de poubelles, bouteilles, téléphones, disquettes de jeux vidéo, etc. Et atteindre la sortie du niveau une fois qu'on a mangé tous les objets à récolter. Alors il y a des ennemis qui seront là pour vous barrer la route, mais heureusement, Quiffy peut récupérer des armes pour leur défoncer la tronche. Parmi les armes, on trouve des grenades, ouais, c'est cool. Des dynamites, ça, c'est fun, la dynamite. Un lance-flammes surpuissant, oh, ouais. Des shurikens acérés, yes, ça défonce.
et des boomerangs. Énorme. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, vous commencez chaque niveau sans arme. Du coup, le premier objectif consiste à vite récupérer l'arme du niveau dès que vous le pouvez, mais parfois, c'est assez compliqué, hein. En fait, ça dépend des niveaux. Alors, Quiffy possède une particularité, comme vous pouvez le constater, il peut escalader les parois et les plafonds, sauf les parois glacées. Les ennemis sont très variés, mais il existe deux types de bestioles qui seront plus dangereuses que les autres, les espèces d'aliens qui pondent des détritus, et les psychobears, sortes de nounours en peluche avec une bouche dans le ventre qu'il faudra éviter absolument, et qui eux d'ailleurs mangent les détritus. Dans chaque niveau, il y a bien sûr des plateformes, mais aussi des obstacles et des pièges à franchir. Dans certains niveaux, il y a également des téléporteurs qui vous emmènent à un endroit du souterrain que vous explorez, mais aussi des interrupteurs en forme de losanges jaune et bleu qui permettent d'ouvrir un passage ou de modifier un élément du décor. Alors d'ailleurs, très vite, dès le milieu du jeu, ces interrupteurs deviendront l'un des principaux éléments de gameplay de Flood. Par exemple, dans le level 41, l'objectif consiste à amener un psychobière à manger les détritus que vous ne pouvez pas atteindre en actionnant des éléments du décor pour le diriger vers les détritus qu'il va manger à votre place. Un niveau très technique, très difficile, où la moindre erreur vous obligera à tout vous retaper. L'un des éléments les plus importants du jeu, c'est bien évidemment l'eau, hein. Je l'évoquais dans l'intro de la vidéo, l'eau est un élément clé du gameplay de Flood, d'où le titre du jeu. En effet, la plupart des niveaux sont envahis par la flotte qui coule d'un robinet, vous savez, avec ce bruit de chiottes assez marrant là. L'eau monte progressivement, Quiffy a la possibilité de nager, mais c'est pas non plus le grand bleu, hein. Il a une barre de respiration, et dès qu'elle arrive à zéro, un peu comme dans Sonic par exemple, Quiffy commence à se noyer, hein, et c'est la mort assurée. Il faut donc gérer la respiration sous l'eau, ce qui peut parfois s'avérer problématique dans certains niveaux plus labyrinthiques, là, et là je pense notamment au level 28. Attention aussi à ne pas prendre les gouttes d'eau dans certains niveaux qui feront monter le niveau de l'eau dangereusement. Il sera préférable la plupart du temps de les éviter ou de vous emparer d'une ventouse de plombier qui arrête l'eau temporairement. Enfin, et comme si ça suffisait pas, il y a un fantôme bleu qui vous suit et qui recopie exactement à l'identique tous vos déplacements avec 15 secondes d'écart. Alors si l'on en croit le scénario du jeu, là, il s'agit du fantôme de la tante Mathilda de Quiffy. Ouais, je sais, ça a l'air rigolo dit comme ça, mais je peux vous assurer que ce putain de fantôme va vous péter les roubignoles un paquet de fois. Car si vous êtes trop lent, Mathilda finira par vous rattraper et vous tue comme un vulgaire parasite. Du coup, c'est comme si les niveaux étaient chronométrés, il ne faut pas perdre une seule seconde. Enfin, Flood, c'est un jeu qui vaut avant tout par son humour facétieux et ses nombreuses idées originales et farfelues. Et à ce sujet, il resterait encore pas mal de choses à dire. Voilà, c'est pour ça que je vais être bref et que je vais tenter de résumer pour finir. Par exemple, vous avez le coup du lance-flamme, hein, quand vous utilisez trop souvent le lance-flamme, il se transforme en poulet rôti. Voilà, c'est rigolo. Dans les niveaux 3 et 10, vous avez ces décors psychédéliques tendance art contemporain avec des têtes humaines à la Salvador Dali, des pieds ou des troncs déformés. Bon, je pourrais parler des objets spéciaux aussi, hein, comme par exemple la bière Guinness qui vous permet de regagner une vie, ou le cocktail qui vous redonne toute votre énergie. Le Space Hooper, hein, cette petite boule ronde que vous chevauchez, hein, qui vous permet de traverser certains passages impossibles à traverser en temps normal et qui fait un bruit de ressort. Les nombreuses salles secrètes qui sont disséminées un petit peu partout dans le jeu, hein, qu'on accède en général totalement au hasard à travers des portes invisibles, ce qui est sympa parce que du coup ça rallonge la durée de vie du jeu. Des mots de passe auxquels on accède en touchant des icônes en forme de point d'interrogation bleu, hein, très souvent d'ailleurs dans les salles secrètes. Et enfin, si vous êtes persévérant et que vous arrivez au bout du jeu, bravo, vous pourrez enfin jouir d'une liberté fraîche... tant pis. Alors en conclusion, je dirais que Flood est un super jeu de plateforme très original, totalement farfelu et délirant, avec une difficulté progressive, même si les derniers niveaux sont assez prises de tête. Alors c'est con parce que le jeu s'est pas bien vendu à sa sortie en 1990, et pourtant ça reste un jeu de plateforme très original et vraiment très plaisant à jouer, je vous le recommande vivement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les nostalgiques, hein. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure du paddle, et surtout n'oubliez pas... Pardon. Et surtout n'oubliez pas, comme d'habitude, que le pouvoir du paddle est toujours trop... Ah putain, j'ai chopé une de ces crèves à cause de ces conneries, moi. Vous aimez ce qu'on fait sur Lord Paddle, alors n'hésitez plus, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez et rejoignez-nous sur Facebook et sur Twitter.